Il y a deux légendes autour de la naissance de la civilisation Inca, mais ma préférée, ça reste quand même celle-là. Mercator, raconte-nous une histoire. Tout commence avec le dieu du soleil Inti. Il voit des humains qui vivent un peu comme des bêtes, sans fringues, sans organisation, sans rien, près du lac Titicaca. Il crée alors un homme, Manco Capac, et sa sœur, Mama Oclo, qui sera aussi son épouse. Oui, je sais ce que vous allez dire. Oh, ça va. Inti leur donne aussi un grand sceptre en or et leur indique que le sceptre s'enfoncera là où ils devront créer leur empire. Pour finir, il leur demande d'aller aider les humains à se civiliser comme il faut. Je viens en paix. Le frère et la sœur slash femme sortent du lac et voyagent pendant des jours pour finalement arriver dans une vallée et hop, surprise, le bâton s'enfonce et c'est là que sera fondée la ville de Cusco. Oh ouais. Ou Cusco, comme on devait sûrement l'appeler à l'époque, aux alentours du 11e ou 12e siècle. Manco Capac enseignera aux hommes l'artisanat, la chasse, l'agriculture, et Mama Oclo apprendra aux femmes le tissage, la cuisine et la couture. Moi, je suis sexiste. Ça vous chauffe de voir la première légende ?